diable connaît tout ça. Amen. Et quand vous maîtrisez les choses, le diable va commencer à avoir peur de vous. Et c'est cette connaissance-là que le diable donne ailleurs. Amen. Regardez. Je dis toujours. Je prends un exemple. Moi, j'ai une boulangerie. J'ai une boulangerie. J'embauche quelqu'un. Qui est le gérant de la boulangerie. Pendant 10 ans, il me fait des comptes arabes. Il me chasse. Et puis, il va créer une boulangerie. Il n'a pas appelé lui. Si. Pourquoi? Parce qu'il est mon concurrent. Il maîtrise ma clientèle. Il va créer un système de marketing pour me dominer. Il maîtrise déjà ça. Satan est avec Dieu. Donc Dieu l'a pas arraché. C'est comme toi aujourd'hui. Tu as fait ses biens. Le papier tu as fait là. C'est gravé à vie. Dans ta tête. Oh yeah. C'est où ça va crier? Amen. C'est la vie là. C'est gravé à vie là. Et c'est ça le diable. C'est vrai. Il s'est même dit à quitter le ciel. Et en haut, nous avons la fille avec accès des connaissances. Parce qu'il exploite ça très mal. On n'a pas fait assez de connaissances. Et le seul problème, c'est qu'il y a des choses que les gens ne vous enseignent pas à l'église. Parce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est vrai qu'on nous parle du ciel, Genèse chapitre 1, le verset 14 à 19. Genèse des promenés, c'est les mêmes combats. Est-ce qu'on suit un peu? Réveillez ceux qui dorment à côté. Vous vous levez maintenant, on dit qu'il est lundi, c'est pas ça? On dit qu'il est mardi. On dit qu'il est mercredi. Jeudi. Tu vois, il dit le nom. Il y a un nom. Il reste à quelque chose. Le nom des jours de la semaine. Le nom des astres. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Lundi, lundi. C'est quand il est? C'est du lune. Tout. Et ça, nous avons tout. Mardi. Soyez. C'est Mars, la planète Mars. Il est là, Popo, il est là, Dodo. Mercredi. Quand il est? C'est le coco. Jeudi, Jupiter. Voilà, il est. C'est le coco. Vendredi, c'est Vénus. Oui, il est. C'est le coco. Samedi, c'est Saturne. Oui, il est. Le dimanche, c'est le Dieu Soleil. Le. Vous soyez. Il est la Goto. Enseigner ça. Et ça va nous amener à comprendre beaucoup de choses. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons un calendrier romain. Ils adoraient. Les adorations des arbres. Vous savez bien que ce n'est pas le Sanhédrin, ce n'est pas le docteur de la loi. Hérode, on a vu l'étoile. Tu n'as pas l'Hérode là, à la Zélie hier. Oh bien. Ténébé. Ce n'est pas le prophète. Et la prophète, il n'y a pas d'accord. On appelait les mages, les astrologues. Il n'y a quoi, il n'y a pas d'accord. On appelait les étudiés, les astres. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, c'est en fonction de ça. Il n'y a pas d'accord. Que les gens veulent leur calendrier. Il n'y a pas d'accord. Mais vous ne savez pas ce que les juifs là suivent nos calendriers. Mais vous, juifs, on a un calendrier. Mais moi, on a un calendrier. Amen. Moi, j'ai commencé à toucher les mois. Je vais vous expliquer un peu le calendrier juif. Il est juif, on est calendrier. Amen. Je vais expliquer. Il est juif. Aujourd'hui, lundi, c'est pas là. C'est quand on a été caillé. Avant ça, vous allez étudier Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 14.
Comme ça, vous allez déprogrammer. Les choses que l'ennemi a commencées. Vous savez que quand on s'élève lundi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire lundi? Quel est ce qu'on va attaquer mardi? Quel est ce qu'on va attaquer mercredi? Quel est ce qu'on va attaquer jeudi? Et tout ça. Et en fonction de ça aujourd'hui, si tu connais le jour, tu es né dans la semaine, je veux faire une action sur ta vie. Ceux qui savent que de la naissance, même le mois de la naissance, aujourd'hui, nous allons poser un acte prophétique. Amen. Parce que les gens vous donnent des sept histoires, astrologie, et puis vous croyez, miracle. Tout est renversé, voilà. Ton étoile est étouffée. Et les gens n'arrivent pas à faire ça. C'est l'étoile qui attire la gloire. C'est le même là et là. Et le diable étouffe l'étoile. Donc allez dans Genèse chapitre 1, verset 14. À quelle heure? Dieu dit qu'il y a des luminaires. Dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous comprenez? Pour séparer le jour d'avec la nuit. Ce que soit, pour marquer les époques. Donc, ce qu'il a placé dans le ciel, marquer les époques. C'est vrai que les gens utilisent ça pour nous donner les jours de l'année. Et qu'ils servent de luminaire. Et l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Vous voyez, déjà regarde, s'il va mettre des signes dans le ciel. D'abord, on va comparer le temps. Les années, les époques et tout ça. Et c'est ça les gens se sont basés. Fixer les jours de la semaine. Amen. Je crois qu'on appelle la géographie à l'école, n'est-ce pas? Amen. L'école là, c'est là où on tient. C'est ça, non? Amen. Donc on va parler des jours de la semaine. Amen. Il faut d'abord maîtriser les semaines d'abord. On va parler aussi de mois. Amen. Ça va nous rendre plus puissants. Il faut pas t'aimer. Alléluia. Le premier jour. C'est quand il est? C'est quand? Je connais. Hein? C'est quand il est? C'est ça. Vous m'entendez, on va ce dimanche que le premier jour. Alléluia. Amen. Je vais parler de lundi. Vous savez que je vous ai parlé de lundi. C'est symbole de. Ça veut dire lune. Et ça, je vois à tout. Réveillez-vous très bien. Lundi veut dire lune. Vous savez que tout part de la lune. Le beau, tu as mon numéro. Je vous disais la dernière fois, si on dit, dans notre embêté, même en Doula, quand une femme a vu ses menstrues, on dit, elle a vu la lune. C'est pas ça? Tenez-le. Nos gars à côté,
Abibien. Panyama. Il n'y a rien ça. Hein? Anyama. Quand il veut commencer. Il va faire un Karen. Il est quoi? Il va battre là. Quand il veut finir. On va pas bien aller. Il cherche. Il va battre. On va dire qu'on fait. On va battre. On va commencer. On va battre hier. On va manger quand même. On va dire. Et nos parents, il y avait l'apparition là, c'est la partie d'apparition, la première nuit. Le atténuant, c'est qu'à toi. Que les gens allaient adorer. Nous amènent à beau braca. Donc la lune, toi, c'est la programmation. On est passé, peu fort, au bout de vous. Amen. Amen. La lune, toi. Le lundi, là, ne jouez pas à ça. C'est quand il est, tout ce qui doit vous arriver, vous en semaine, ça commence à se positionner lundi. C'est quand il est, tout ce qui doit vous arriver en semaine, pour ça que c'est pas fait d'hasard que c'est lundi. C'est le premier jour pour nous, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Tout part de la lune. Tout parle de la lune. Donc on lui parle de lune, qui veut dire lundi. Donc quelqu'un veut programmer les choses en semaine. C'est vrai que la lune qui te programme. C'est la programmation qui te fait en semaine. Mais quand on parle de lundi. Et quand on vous dit lundi, ça commence déjà à partir de la nuit du dimanche. Lundi. Et là, n'y a pas. Au moins, c'est à 6h. C'est ça l'heure. Tout se fait dans la nuit. Mais ça n'y est prêt. À partir de minuit. C'est pour cela qu'on dit 1h du matin. Donc, on est là-bas. Le temps change. Donc, ce qu'on se dit. Il ne fait pas jouer, mais déjà mardi. Il ne fait pas jouer déjà lundi. Déjà, quand on te dit qu'il est lundi. Donc, il est dans le jour. Mais il y a un jour aussi. Est-ce que tu m'as bien saisi? C'est quand on voit le jour, le soleil. On dit qu'il est déjà lundi. Non, lundi a déjà commencé. Lundi, tu es au. Depuis minuit. Puis, tu es au lundi. Amen. Depuis minuit, ça a déjà commencé. Donc, bro, tu veux dire. Et qu'est-ce qu'ils font? Et moi, j'en ai là. C'est à partir de le lundi. Et c'est quand il est. Mais tout ce qui est en semaine se programme. Ah, mais pas pourquoi il y a maïra, mais non, non. La programmation se fait à partir de lundi. Pour appuyer, c'est quand il est. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à partir de lundi. C'est quand il est. De la nuit, du dimanche au lundi. Et puis, il y a maïra. Vous levez dans la prière. Et là, il y a un gros billet de maïra. Mais programmez tout ce qu'ils ont programmé en semaine. Et lorsque vous voyez la première lune apparaître, parce que un tel con ne s'approche pas. Moi, je ne vais pas dire que nous allons lever. Un tel con ne s'approche pas. Le jour où tu vois la première lune apparaître, ce jour-là, il faut déprogrammer nous la façon dont on programme contre toi au cours du mois. Amen. Parce que tu travailles beaucoup avec la lune. Parce que moi, je ne vais pas lever. On dit amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Donc lundi, ça partit de lundi. C'est quand il est bon. Et programme. Je vois pour lundi. C'est quand il est. La semaine. Mais quand il m'a repris, lundi, il veut dire lundi. C'est les choses que je veux combattre. Donc tu sais que lundi on programme. Et ce que toi tu fais en tant que chrétien. Moi la bonne nuit, donc tu viens de Dieu. Et qu'est-ce que c'est? C'est vrai, eh bien. Amen. C'est comme l'ordinateur, tout a été programmé. Et bien, il y a des gens qui déprogramment. Souvent, on n'a pas de mise à jour. On peut actualiser ta vie. Pour l'occasion de vous montrer tout ça pendant les mois et tout ça. Comment actualiser. Et généralement, ce lundi, tu dois verser une bouteille sur ta tête. Et puis, tu as un coup de du moins du matin. Et ma coupe. Un jour aujourd'hui, il n'est pas au courant. Il prête. Avec que tout soit en prêt, avec que tout ce qu'ils ont programmé. Ah, mais pas moi, moi, moi. Et puis, toi, ta tête. Il maîtrise les choses. C'est ça qu'il ne joue pas. Même moi, je dis. Parce qu'il tient compte de tout ça. Parce qu'il ne positionne pas. Même moi, quand nous, j'ai dit non. Parce que maintenant, vous voyez. Amen. Est-ce qu'on me suit un peu?
Apanye pi agra mia. Angona. Tu dois pas qu'il les amène. Alors mon là au dire ko. Lui tu dois pas qu'il me salue. Amon mon mon wa te ko. Je suis qui tu dois pas. Un tel tel mon wa. Fais comme ça. Wa ah, nous c'est mon bon nous c'est. Fais comme ça. Eh bon mon on va trouver tel même. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Allons-y. Prenez Psaume 121, à partir des versets 6 à 8. Psaume 121, à partir des versets 6. À bien quoi, chacun verra. Nous sommes 121. Le verset 6. On peut faire la lecture. Maintenant, suis un peu. Apprenez-vous. Les enseignements vont commencer ainsi, les mystères. Pendant le jour, le soleil ne frappera point, ni la lune pendant la nuit. Amen. Ça ne te frappera point, ça veut dire quoi? Il s'est fait dans ce genre, j'ai fait un drop. Parce que. Merci. J'ai déprogrammé un système de programmation. Amen. Les deux vont ensemble. Et la lune et la nuit, n'est-ce pas? Et pour n'est-ce pas? C'est j'ai l'impression qu'on et vous n'avez pas. Ça vous fait quoi? Vous dites amen. À part amen, je n'ai rien. Vous savez, nous dans vos bouches, ça me fait. Et quand il est calme, et quand il est calme, sont des enseignements de pointe qui sont dans les dents. Il est calme, il est calme. Il est calme, il est calme. Amen. Amen. Alors, sauf que quand on ne parle pas des autres planètes, tout ça. Moi, c'est un pour vous dire. On nous parle du soleil et de la lune. You know, c'est les deux choses qui vont ensemble. Et je suis même les devs. C'est-à-dire quand ça a été programmé là, le soleil entre en exécution, c'est le soleil qui exécute. You know, mon nez, mon nez, qui. Est-ce que vous m'avez dit ceci? Tout ce programme la nuit, vous allez pas vous débrouiller ça. N'est-ce pas? Amen. Et puis c'est le soleil qui. Qui donne l'exécution. Mon nez, qui. Répond le son vertu. You know, oui. Vous connaissez c'est trop fort pour vous. Vous comprenez pas, vous comprenez pourquoi qu'on met la nuit. Ah non, mais c'est très plein encore. Faut pas aller manger l'homme. N'a mené qu'on dit qu'à mais à nous, mais à nous, lui. Ça là, vous comprenez ça? Mené à nous, mais à nous. C'est même parole de Dieu là. N'avons pas quoi, nous sommes tous nous enseigner les mystères. Tiens, tiens, nous comprenons la vie. Je réponds pour le même verset. Le verset 6. Écoute, écoutez très bien. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Et regardez. Il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Alors, il dit, ni la lune pendant la nuit. Ni la lune pendant la nuit. Il ne parle pas de la lune qui va te frapper. Hein. Amen. Il dit, c'est le soleil qui va te frapper. Mais la lune, parce que tu auras déprogrammé ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que c'est la lune, c'est la nuit. La débé. Qui commande des choses. Et qui passe au jour. Je vais prier Jésus. Est-ce que monsieur un peu? À panier pied. Pourtant c'est difficile. Ah ouais, il était. Je ne comprends pas. Ouais, nous. Laissez-moi vous enseigner les mystères. Ah, t'as quoi, c'est pas là, le bon ami. Problème. Laissez-moi vous enseigner les mystères. Ah, t'as quoi, c'est un ami pour le bon ami. Eh, maîtrise ça. Moi, on dit. Amen. Amen. Eh, maîtrise ça. Moi, on dit. Alléluia. Vous avez vu? Aïe. Quand il déprogramme, le Seigneur ne fait rien. Dieu, on va se taper. Il n'a plus de force. C'est quand ça a été programmé. Et que le jour. Les Jésus-Dieu. Exécute. Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Donc à partir du lundi. Lundi qui vient de lune. Lundi, ça va parler de lui. Ça va partir de lundi. Et toute programmation de semaine se fait. Mais bon, bon. Et je vous ai dit que ça va partir de 6 heures. Non. Et donc, la nuit du bon, dimanche. Il est à au lundi. C'est quoi? À minuit déjà. Il faut déjà commencer à préparer la semaine. Il est à qui bosse. Il y a une meilleure. C'est là où il y a un. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. Et comment? J'essaie de il faut déjà prier pour les 7 jours de la et semaine. La Bible. Mais je dis quoi ça et tu veux? Les 7 jours. Mais il dit quoi ça? Pas seulement pour lundi. La Bible. Mais tu pries les 7 jours de la semaine. La Bible.
programmant chaque jour ce qui a été programmé. Ils sont très organisés. Lundi, ils savent ce qu'ils ont programmé. Toi en tant que chrétien, tu viens déprogrammer. Donc l'église, c'est l'une.